My tailor is rich, but my français is poor. Voilà le titre hilarant d'un très bon petit livre que je viens de recevoir et que je vous recommande, d'Alain Chiffre. Qu'est-ce qu'il fait, Chiffre? Il dénonce, et il a raison, il fustige, l'usage excessif et ridicule de mots américano-anglais, plutôt américains qu'anglais, dans certains magazines, en particulier les magazines féminins. Alors évidemment, c'est un américanophile qui vous parle et un bilingue. Ok, c'est pas une raison pour laquelle il faut en permanence utiliser des termes. Le français a les mêmes, mais il y a cette espèce de mode. C'est plus qu'une mode, c'est une addiction. Et Chiffre en parle très très bien, avec des petits chapitres très bien faits. Ça commence par « Le jour que j'ai lu dans Elle que la rue des Rosiers est en retour de hype », mon grand-père m'a demandé de quoi il s'agissait. De retour de quoi ? Dans le coup, c'est ça que ça veut dire, hype. « Ah, dit mon grand-père, et moi, de lui expliquer ce qu'est la hype, la fine pointe de la mode. » Celle-ci ayant même laissé le pas à la fashion, un mot froissé, et à ces fashionistas qui courent les spots entre les flagships, les concept stores, avant tout le foutu fashpack de se ruer à la fashion week, pousser des waouh à la vue du front row, où sourit énigmatique et frangée la lèvre repulpée l'éternelle toute puissance directrice de Vogue, et voletant autour côté red carpet ou backstage la faune des catwalks, la nuée des hit girls, des 37ers, des gay friendly, les beautistas overstated du glam et celles casual du street style, tout cela likant, tweetant et bourdonnant du fashion buzz, lequel énonce, écoute bien ça pépère à l'heure où j'écris, le comeback de la soque, c'est-à-dire la chaussette. Voilà de quoi est fait ce joli petit livre, d'une langue que personne ne parle, dit-il, mais que tout le monde écrit quand même, en tout cas dans les magazines. Alors, qui dit, ce qui est très bien avec le français angloïde, c'est que ça s'apprend en 4 jours. Premier jour, il faut s'exercer à 4 mots pour placer de l'anglais. Vos meilleurs beach alliés. Oui, oui, beach alliés, ça existe. 22 idées pour enjoyer l'été. Plutôt que dire jouir de l'été, enjoyer, ok. Toutes leurs influences se mélangent dans un esprit healthy. Deuxième jour, 3 mots. Une queen du style. Le bon American way of mode. Le rap s'échappe de la working class. Troisième jour. My beautiful balcon. Mais oui, ça a été écrit dans les journaux. Sporty silhouette. On se rue sur les baskets fun, les sacs arty, les lunettes flash. Quatrième jour. Le best-of des sites de shoes. Le top des takeaways. Ça continue comme ça. Alors, la low profile attitude de la First Lady. Ça, c'est pas mal aussi. Et puis, le midi clubbing, le colon chic. Ça s'appelle la pause déjeuner. Et quand on vous dit « je suis arrivé à mid-term », ça veut dire « à mi-vie ». Elle est très « girl next door », si tu vois ce que je veux dire. Ça continue comme ça. C'est assez brillant, c'est sévère. Mais il dit quoi? Il dit que « food, booster, live, French, mix, coach, box, booster, tout ça ». Ce vocabulaire, il existe. Il existe dans le français. Pourquoi on ne l'utilise pas? Qu'est-ce que c'est que cette faiblesse alors que nous avons une langue si forte, si riche, si merveilleuse. Donc, Chiffre a raison de crier « Help !» au secours. Goodbye, ou plutôt au revoir. And good luck, ou plutôt bonne chance.